Buenos días, mis amores. Bonjour tout le monde qui j'ennuie. Je dis à sa femme Brésil que je vais vous retrouver dans l'autre vidéo. Pour les gens qui ne connaissent pas ce channel, là, vous pouvez vous abonner. Moi, c'est Myria. Et je vais profiter de vous dire tout le monde merci en général pour ce que vous avez toujours supporté ce channel là. Malgré l'absence, moi, ça fait plaisir. Merci à tous les anciens abonnés et merci à nouveaux abonnés. Toujours continuer à partager ce channel là, abonner et like. Je vous dis, venir avec une autre vidéo pour nous, une petite vidéo manger. Parce que ça fait longtemps que je ne vais pas poster sur ce channel là. Je dis, on va faire un poisson salé, on va montrer comment on prépare le poisson salé. Depuis hier soir, on va mettre dans l'eau et puis on va le nettoyer. Pour faire le poisson salé, on va utiliser, on va besoin d'orange sur ou bien citron pour nettoyer. Et comme on va voir déjà, ça fait un pistolet que on va utiliser pour préparer le poisson. On va voir, on va adobo, vinaigre, paprika, goja. Je vais mettre un peu de dans mon calça. Je vais mettre un poudre, l'ail en poudre, piment en poudre et puis courir. C'est avec ça que je vais préparer le poisson salé. Et tant que nous sommes capables de tout, je vais déjà mettre un végétal qui est lâché. Ça, c'est céleri, tomate, piment rouge, piment vert et petit piment piqué. Je vais commencer à gratter le poisson. Je vais retirer le gros caillot. Après ça, je vais laver. Pour moi, passer les oranges ou les citrons. Je vais déjà mettre de l'eau sur le feu à bruit pour moi capable de chauffer les poissons. Il faut que je chauffe les poissons d'abord avant de le faire. Sauf là, ça va arriver, je ne sais pas qui est qui fait de l'autre façon, même si c'est pas ça, maman, je ne sais pas si ça me confère et ça fait, c'est pour ça que je m'en fais. Ou même si vous connaissez l'autre façon, c'est bien, mais moi-même, c'est pas ça que vous connaissez avant que vous fassiez un poisson salé, un poisson sèche, pour vous mettre les trempés d'abord, vous faites un bon temps, et puis vous nettoyez la veille sur l'orge, ou bien citron, et vous mettez le chaudé, vous êtes capable de faire ça. Mais qui ça me fait? Je suis à chaud, je mettre un petit huile et puis on y a mon poil fruits et épices. Pendant que l'épice est en fruit, je vais mettre le céleri en fruit aussi. Avec mes... et on se joue dans le piment. Ici, on va passer un piment vert pour plein. On va mettre le piment rouge même. Et puis, faire même fonctionner, c'est ça qui est important. Pendant que ça va frire, je vais frire les tomates là aussi. Je vais mettre les tomates en fruit d'abord. Après ça, je vais mettre un petit pack de tomates. Ça fait choix chaque monde.
si vous ne mettez pas de tomate, vous pouvez faire une sauce blanche. Si vous ne mettez pas de tomate, je dis à c'est comme ça que vous voulez, je vais mettre un petit pas de tomate là-dedans. Mettez pas de tomate là, vous fouillez ensemble avec la tomate là. Ah, okay.